Salut YouTube, bienvenue sur l'épisode 34 de God of War, je crois, on est parti. Donc en fait j'ai menti, j'ai menti, j'ai dit qu'on n'allait pas faire de stuff secondaire, mais en fait on a des trucs à faire avec le gamin, faut qu'on retourne à Helheim, faut qu'on aille faire tenter au moins le... Enfin non, remarque, Muspelheim, on verra, mais d'abord on va faire Helheim. Le truc c'est que je sais que les lames du chaos, donc on a récupéré il y a 2 épisodes, on les récupère à peu près vers la moitié du jeu. En sachant qu'on a déjà fait pas mal de trucs secondaires, à part s'ils nous rajoutent encore 4 tonnes de contenu secondaire bientôt. On va avancer très vite maintenant dans le jeu. Mais bon. Le record est parti. Oh, c'est bon. On a des nouvelles techniques. Avec Kratos à voir. Donc je vous dirai la cam quand même, histoire que vous voyez le tout. Lance sprint appuyé sur la 2 pour sauter, effectuer une puissante attaque de frappe de chaîne. Donc ça, on l'a pris, la frappe du chaos. Coup du chaos tourne. Putain. Tournoyant lors d'une esquive, maintenez L vers l'avant et appuyer sur R1 pour effectuer une attaque tournoyante sautée. Alors autant vous dire que même si c'est des skills qu'on n'utilise jamais, on va les prendre. Lors d'une esquive, maintenez L vers l'arrière et appuyez sur R1 pour attaquer vos ennemis sur la droite. Voilà. Vague élémentaire, oui, ça c'est des attaques à distance que j'utilise quasiment jamais. Après avoir transpercé un ennemi avec l'attaque Lance du Chaos, donc ça c'est Lance du Chaos, lorsque vous visez appuyé sur R1 pour transpercer un ennemi et l'attirer vers Kratos. Après avoir transpercé un ennemi avec l'attaque Lance du Chaos, maintenez R1 pour envoyer une vague d'énergie élémentaire dans la chaîne et propulser l'ennemi en l'air. Eh oui, mais du coup il vient pas vers toi. Puf. Bof. Explosion élémentaire. Augmente la portée et les dégâts infligés par l'explosion. Ah, ça c'est pas mal. Donc ça on l'a déjà. Immolation furieuse. Augmente la quantité d'immolation accumulée à chaque coup de lame réussie. Immolation. Enchaînez rapidement vos coups sans subir les dégâts pour charger les lames du chaos et infliger des dégâts de brûlure à chaque fois que vous touchez l'ennemi. Bonus de chance et de rune. Buh, stylé. Et donc on avait pris l'immolation furieuse qui augmente la quantité d'immolation. Lacération élémentaire. Visez et appuyez sur R2. Ah oui, ça c'est pas mal. Voilà, ce problème c'est qu'il a une... En fait, je sais pas si elle est obligatoire le. C'est une petite animation où il fait tournoyer ses lames. Et je sais pas si elle est obligatoire cette animation parce que parfois elle m'a cassé les couilles. Viser, maintenir R2 pour charger les dégâts de brûlure. Ah, et là, si tu maintiens R2, tu charges les. Ok. Bah écoute, on prend tout, hein. Paf. Et paf. Voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Toi, on pouvait te parler un peu. Bon, alors, si j'ai bien compris, Sindri et toi avez fait mieux le nier. Exact. Encore du lore. Thor s'en est servi pour tuer plein de gens. Et alors? J'ai l'impression que vous vous le reprochez à vous, au lieu d'en vouloir à Thor. Petit, je t'aime bien. Mais t'es loin de saisir la complexité des rapports dans une famille. Je vais pas faire la morale à ton père sur la façon qu'il a de t'élever. Et pourtant, crois-moi, il y aurait beaucoup à redire. Pardon, Brock. Je vais essayer d'aider. Tu me nous la trigger, là. Tu nous la trigger. Donc, mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est aller... Ah, mais dans tous les cas, pour aller à Helheim, où... Voilà, on est obligé d'aller, voilà. Y a pas 10 000 manières de voir les choses. Alors, le seul problème, c'est qu'on a également... toutes les chambres cachées d'Odin à aller voir. Vous intéresse? Canyon, grotte de la sorte. Mais celle-là, on peut y aller du coup. Attends, parce que. Oh, parce qu'en plus, l'accès mystique, il est dispo. Ah, venez, on va voir ça. On y va. Ça va être incroyable. On fait ça. Ensuite, on va à Helheim. Ah, mais voilà. Ah, mais là, je les ai tous de dispo maintenant. Pff, allez, c'est parti. Je pensais qu'il n'y avait que le domaine de la sorcière, de la teufeuse des bois qui était dispo. De Furia. Si je suis un dieu, il va où lui? Peut-être que je peux voler. Non, non! Même les dieux doivent rester sur le chemin, je t'assure. Et ouais, du coup. Ne te fâche pas, mais j'ai déjà vu les lames que tu portes. Elles étaient sous la maison quand je me cachais. Ah. C'est pour ça que tu voulais pas que je descende. D'où est-ce qu'elles viennent? C'est mon fardeau. Elles appartiennent à mon passé. Elles font partie de ma vie. J'ai un passé sombre et trop dark. Ces jours sont révolus. Les revivre serait inutile. Comment la vérité peut être utile?
Allez, viens. Un jour, tu comprendras. Je te crois sur parole. C'est mignon. Les contes de Mimiorm, les lames de Peppa. Peppa avait caché ses lames sous la maison. S'ils sont passés d'un tel fardeau, pourquoi les avoir gardées? Une bonne question. Bah, pour pas oublier son fardeau, justement. Putain, il faut vraiment que je revoie le lore des trois premiers God of War. Hein. Ah, j'ai pas le temps, tant pis. Allez, donc là, on est chez la teufeuse des bois. Et maintenant, il faut qu'on marque sur la carte. Voilà. Par contre, par où on va pour y aller rapidement à la chambre cachée? La chambre cachère? Allez, bonsoir. Alors, si Odin cherche à étendre son pouvoir, tu penses qu'il veut aller à Jotunheim aussi? Oui, ça fait partie de ses plus grandes obsessions. Mais... Stop! Je crois qu'il fallait s'arrêter là. À partir non, de quel ça moment va. N'ai-je plus été clair? Tu disais que Baldur nous cherchait pour trouver un moyen de se rendre à Jotunheim. Mais on savait pas encore que c'était là où on devait aller. C'est absurde. Mais tu oublies une chose, c'est bien à Jotunheim que vous allez. Donc il avait raison. J'y comprends rien. Eh bien, ça veut dire que tu as bien écouté. Odin et Jotunheim. Si Odin et Baldur tentent d'atteindre Jotunheim et pensent que nous sommes la solution, comment ont-ils pu le découvrir avant que nous sachions que c'était notre destination? Mimir affirme que c'est logique. Alors moi je pense savoir pourquoi. Peut-être parce que Kratos sait qui tu es mais il ne te l'a pas dit. Je sais pas. Hein. Au pif, ça vraiment honnêtement je m'en rappelle pas. Peut-être que même Kratos le sait pas et c'est juste Odin et Baldur qui ont les infos sûres quoi. C'est pas les infos de chat qu'ils ont. Ça on en fait quoi? Ça on remonte, mais on s'en fout, parce que là on remonte à l'air libre. Ouais, elle est où la chambre? Elle est par là? Ok, un second, ok. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on peut détruire avec les lames. Oh non. Là, il nous manque une rune. Tellement de choses à faire dans ce jeu de mort. C'est par là. Voilà, si on peut se faire une Valkyrie, là, ça va être bien. On va rager et tout, ça va être trop cool. Vous allez voir. Ça va être trop bien. Et on peut même... Déjà, on casse tout. Parce que pourquoi pas. Là, il y a le vent de Hell. Mais le vent de Hell peut attendre. D'abord, moi, je veux aller casser de la Valkyrie, si c'est possible. En espérant que ce soit une Valkyrie qui est de l'autre côté. Hein. Ah, petit fail. Oh. Alors. Voilà. Trouver et entrer dans les chambres si possible. Il existe 7 portes fermées dans le monde. Trouvez-les toutes. Récompense 1890 XP. Zone découverte. Chambre cachée d'Odin. Et alors là... Et alors là, laisse-moi te dire que je crois que c'est ça. Virer la cam, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, une petite gorgée de café. En tout cas, c'est accueillant. ASMR, buvage de café. Un autre de caché là. C'est un endroit qui ressemble à une prison. Yes. En verrou magique à l'extérieur. C'est pas seulement ça. J'ai comme l'impression que quelque chose nous attend. Tu as un don pour les annonces dramatiques, petit. Quel genre de choses? C'est BFM TV, Atreus. Quelque chose de puissant. Quoi que ce soit, Atreus, nous le surmonterons, comme nous
l'avons fait jusque-là. Oui, père. Valkyrie incoming! Ouais, bah, les gars, si vous êtes pas foutus de vous faire des Valkyries, ça sert à rien d'aller plus loin, hein, parce que... Nouveau lieu trouvé! Ah, ça veut dire qu'on peut même se re-TP ici, putain, c'est trop bien. Voilà, on a les voyages rapides, maintenant tout va aller beaucoup plus vite. La vie sera plus simple. Ou pas. Est-ce qu'on a accès au coffre direct? On a accès au... Enfin, coffre tombeau, c'est des tombeaux, ça. Hein. Cimier gravé des ombres. Bon, on est full life. Par contre, on n'est pas full rien du tout d'autre, quoi. On n'a pas de rage, c'est ça que je veux dire. Hop, voilà. Là, on peut descendre. Là, on... Pourquoi descendre? Je sais pas, je fais monter le suspense. Oh, il y a une corne. Mimir, souffle. C'est juste du décor, ok. En 15, quoi. Donc tout ça, c'est le loot, hein. Putain, le stream est tellement en retard sur moi. En vrai, qu'il y a un peu de latence, c'est normal, mais là, c'est quand même chaud, quoi. Bon, voilà. Donc, en fait, on a pris tout le loot avant de faire ce qu'il fallait faire, en vrai. Là, on a pris la récompense avant. En prison ? Alors, c'était vrai. C'est pour ça qu'il peut. Mais je croyais que c'était des esprits. Soyez prudent. Une Valkyrie en chair et en os. Je ne connais pas l'adversaire plus redoutable. Elle ne nous attaque pas. Elle ne nous a peut-être pas vus. Prouvez votre valeur, vaincre une Valkyrie. Je vais voir ce qu'il dit sur l'objectif. Découvrir le destin des Valkyries. Nous avons trouvé une Valkyrie, mais quelque chose n'est pas normal. Sommes-nous prêts à livrer ce combat? C'est pour ça que les morts ne pouvaient pas rentrer à Helheim. C'est parce que les Valkyries n'étaient plus là. Allez, c'est parti. Viens là, ma grande. Oh non! Ah! Merde, ok, ok, on ok, un second. Ah, 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 ah. Kara. Oh, elle est stylée. Ah, elle parle... Tu parles français. D'accord. Merde, quel con. Merci, merci. Je fais n'importe quoi. Au secours. Pourquoi j'ai fait ça? Non. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Voilà. Oh non. Sac à pèvre. Mais non, la pierre de guérison, on m'en fout du loot. Vite. Ah non, mais c'est pas Doom, il redonne pas de la vie quand tu les butes. En vrai, faut éviter de les buter, eux, parce que... En vrai... Mais non. Ah, on n'a pas acheté en plus de pierre de raise chez Brock. Bon, il faut focus la Valkyrie, on s'en fout des connards. Il faut focus la Valkyrie. Et en essayant d'enchaîner entre les lames et la hache. Merde. Merde. Roland. Mais non, mais pas eux, mais qu'est-ce que je fais? Je joue mal.
Oh putain, et... Alors, est-ce qu'on peut se dire que le lock dans ce jeu est quand même assez nul à chier ? Oh ! Oh ! Eh merde. Merde. Inutile. Ah merde. Ouah, ça va être chaud, ça va être chaud. Ok, let's go. Autant que vous le sachiez tout de suite, cet épisode va très certainement s'appeler Une heure, une Valkyrie. Une heure, un combat. Ah ouais. Alors elle, il faut que j'arrive à capter ses attaques parce que je comprends pas ce qu'elle fait. Mais non, mais pas. Oh. Attends, est-ce qu'elle est en mode invincibilité là? Merde. Eh merde. Ok. Non. Alors ça, il faut que je bloque, j'imagine. Ah merde. Vie. Merde. Putain, mon bouclier, il est... J'ai l'impression que mon bouclier ne les pare pas, ces attaques de lumière. Mais j'ai aussi l'impression qu'elles sont à tête chercheuse, donc c'est peut-être légèrement un problème. Je suis sûr qu'en normal, elle invoque pas de mob. Pourquoi j'ai décidé de faire le jeu en difficile ? Aïe, ça déraille. Merde. Putain, la portée de ses attaques. Mais non. La Valkyrie. Merde. Ah non, on peut les esquiver, incroyable. Mais non, mais pas eux. Mais non, mais arrête de les lock, eux, putain. Aïe. Ah bah merde, je l'ai raté, super. Bon, je me casse, je comprends plus rien à ce qui se passe. À l'aide. Mais non. Vas-y, envoie ta merde, gamin. Oh là. Non, je voulais récupérer la vie. Merci pour le follow, Archeo X Gaming. 210. Pourquoi j'ai marqué 201? Il triche sur son compteur de mort, incroyable. Oh,
Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Raté. Ah ouais. Ah mais oui, putain, je peux la stun, quel con. Aïe. Mais qu'est-ce que je fais? Allez, je panique. Mais non, mais pas lui, putain. Oh, le lock, le lock, le lock. Non. Non. Non, 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 non. Ok, lâche. Vie, vie, vie. Mais non, mais casse-toi. Comment ça, tu l'as pas touché? Toute la vie qu'elle a, what the fuck. Au secours. Vive, 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 vive. Bon, arrête de lock, c'est pas la bonne idée. Hein. Mais non, mais cassez-vous. Envoie les loups, envoie les loups. Oh putain de merde, au secours. Salut. Comment ça va? Oh, secours, pourquoi j'ai décidé de me faire les Valkyries? Non mais parce qu'attends, j'avoue que... Eh non mais mon autre armure c'est... Ah ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. Il faut que j'aille l'améliorer. Même en l'améliorant, je suis pas sûr qu'elle soit... Allez, on commence. Us. Non! Oh! Non, non, Pouni, attends. D'accord. Elle est pas énervée, c'est bien. Ok, donc ça, on peut pas le parier, c'est bien. On peut pas le bloquer, c'est cool. Merde. Vie! Aïe, quoi? Waouh. Rage, elle ou la rage. Et c'est pas assez. J'ai pas peur de vous. Non. Oh là là, putain de merde. Nous voilà bien. Merci Mimir de tes commentaires de merde. On t'oubliera pas. Quand on retournera à Muspelheim et qu'on jettera ta tête dans la lave, on t'oubliera pas. C'est quoi, on va plutôt commencer par la hache. Voilà, bourre. Oh! Non. Putain, mais oh, mais là, c'est un sac à pèves en plus. Je me demande si c'est pas mieux les flèches de. Ouais. Non. Elle a dit honteux. Pardon. Non. Putain, mais à l'aide.
Vie. Oh putain, mais il y a des connards à bouclier. Hein. Mais casse-toi. Elle est où l'autre? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Et merde. Oh, putain, au secours. On m'avait pas prévenu qu'il fallait bien jouer, moi, quand tu joues en difficile à des jeux. Mais en vrai, c'est obligatoire, tous les sbires qui se battent avec elle, elle est pas foutue de se battre toute seule. Moi, si tu veux, je dis aux gamins de pas se battre. Et toi, tu dis à tes sbires de pas se battre. Et comme ça, on fait un vrai combat. Non, elle s'est barrée, la pute! Ah merde, la connasse. Joli. Ah c'est ça, il faut que je me focus uniquement sur elle, hein, mais ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... En vrai, c'est un combat de patience, c'est un combat de patience. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Ah merde, merde, quel con. Non. Non, t'as pas envie? Il avait pas envie, il avait pas envie, hein. Et merde. Brrr, elle a esquivé. Honteux. Pensez, elle prend rien. Non. Merde, attends, j'arrive. Oh! Bah alors? Et merde. Non mais les... Pff, alors je sais pas comment j'ai esquivé ça, mais je l'ai esquivé, hein. Non! Mais dès qu'elle monte en l'air, pourquoi je lui fonce dessus? Pourquoi? Pourquoi je suis con comme ça? Pourquoi je suis con comme ça? Encore, ils me cassent les couilles avec leur... Ah non, merde. Pardon. Alors, est-ce que tu peux éviter? Oh! Non, non, mais arrête de lock, allez, walou. Mais putain, oh, c'est à tête chercheuse, c'est une merde, non. Voilà, ah, ça, je peux le parier, par contre. Proto. Non. Mais comment ça, je peux pas le parier? Ah, merde. Non. Attends, j'arrive, hein. Non, les enchaînements finis. Merde, quel con. J'ai tellement envie de partir. En vrai, venez, on se casse. Voilà, maintenant on sait, hein, ça fait 20 épisodes qu'on veut se faire des Valkyries. Stylo qui marche plus. Ça fait 20 épisodes qu'on veut se faire des Valkyries. Maintenant on sait que c'est chiant, donc on reviendra un jour. Et merde, je l'ai fermé. En tout cas, j'ai récupéré ton stuff. Il y avait un corbeau. Il est où? Putain, t'as un... Non, mais en vrai, voilà. Hein, frérot. Je t'aime bien. Mais non.
plus tard. Plus tard. Donc en vrai, donc la chambre mystique de mes couilles avec les Valkyries de merde. On peut même retourner à la maison, on sait pas pourquoi, mais on peut le faire. Ça c'est quoi? C'était Fafnir, Fafnir, on l'a fait. Ah mais là c'est que pour les TP, putain. Donc oui, ça c'est pour la quête principale. En 15 go quoi. Ouais, il y avait aussi une chambre cachée d'Odin au chenal du tailleur de pierre, mais bon, déjà rien que les Wolvers devant, ils sont niveau 7, ils me cassent le cul, je comprends rien à ce qui m'arrive. Donc en vrai, pour me donner l'impression que je sais jouer au jeu, je vais continuer la quête principale qui est deux niveaux en dessous du mien. Galaxy Brain Move. Mais c'est bien, au moins on aura testé la Valkyrie. Redis-moi comment Odin a pu savoir qu'on allait à Jotunheim avant qu'on sache. Vois-tu, Odin est très intelligent. Presque aussi intelligent qu'il pense l'être. Lol. Et il collectionne les prophéties. Dès qu'une chose concerne l'avenir, il l'ajoute à sa collection. Ça lui permet de se proclamer clairvoyant et omniscient. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le contrôle. Contrôler l'avenir, contrôler son destin. Il contrôlerait chaque monde, chaque pays, chaque royaume s'il le pouvait. C'est pourquoi il cherche à éliminer tout danger potentiel. Même si tu n'as jamais rien fait contre lui. Il se dit que tu pourrais le menacer un jour. Alors, tu comprends? L'important, ce n'est pas qu'il ait su avant vous. L'important, c'est qu'il avait raison. Ouais, c'est un méchant, quoi. C'est un méchant. Les prophéties d'Odin. Odin collectionne les prophéties, il essaie de contrôler le destin en connaissant le futur. Il pense peut-être que nous constituerons une menace un jour. En tout cas, c'est... il sait que nous cherchons à atteindre Jotunheim. Voilà, ça, on l'a déjà dit 15 fois, ça. Allez, paf. Brock, ton matos c'est de la merde, j'arrive même pas à buter une Valkyrie, comment tu veux que j'aille me faire les 1-1 alors? Comment ça se passe maintenant? Du coup, à part ça, ouais, il nous restait la brèche de royaume qui me cassait les couilles ici, là il y a une chambre de merde. Ça c'est quoi? Forteresse de Nortri, Osef. Ravin de Fafnir, Osef. Pauvre boy, il y a quoi? Oh putain, il y a une chambre cachée ici aussi, au secours. Peut-être qu'elle est plus simple. Peut-être que plus simple. C'est quoi ça? Ah, Valkyrie Kara, ok. Donc il m'affiche la chambre d'Odin et ensuite. Ah, après je peux me TP direct à la Valkyrie, c'est bien ça. Ça c'est bien ça, que ça c'est bien. Encore une chambre cachée. Les chambres cachées, on sait qu'elles sont là. Hein. Voilà, elles sont partout, c'est l'horreur. Du coup, pour l'instant, on va continuer la quête principale en espérant ne pas avancer suffisamment. Ah non, on a dit qu'on allait à Helheim. Toujours du stuff secondaire. Des os. Donc d'abord Helheim. Ensuite Muspelheim. Vanheim, royaume non disponible. Donc Vanheim c'est le royaume des Van, donc c'est le royaume de Freya. Muspelheim. Niflheim. Allez, paf. Ah non, pas Niflheim, Helheim, pardon. Le mec, il a bugué. Svartalfheim, Osef, Helheim, go. Oh. Qu'est-ce que ça prend d'être l'autre quand il a parlé? Ça avait l'air important. Ce n'est sûrement rien. Il a juste dit que le garçon lui rappelait quelqu'un. Moi? C'est pas possible. Non, je suis bien d'accord. À moins que peut-être qu'il fait référence à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et oui, le temps ne se déroule pas de la même manière. Que quand Jormungand et Thor s'affronteront lors du Ragnarok, l'arbre de vie tremblera si fort qu'il se fendra, envoyant le serpent dans le passé, avant même sa naissance. Quoi? C'est absurde. Ah, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Mais mec, tu voyages littéralement entre les dimensions grâce à un arbre magique, et tu combats des dieux et je sais pas quoi, et tu viens de me dire que c'est absurde ça, mais c'est ça. C'est comme dans Final Fantasy VII Remake quand ils te disent des fantômes, mais non, ça peut pas exister, alors qu'ils invoquent des dragons, des dieux de la glace et tout, enfin... Sucez-moi. Jormungand, le serpent a déjà affronté Thor lors du Ragnarok, et il a été transporté dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Soit ça, soit Ymir est fou. Ok, les voyages temporels d'Avengers. C'est Endgame. Paf. C'est Endgame. Allez gamin.
Ah bah il est là lui. T'as rien pour Allez, moi? au travail. Non. Non, mais d'ailleurs c'est les braises ardentes, je sais pas où on les récupère. Hein. J'ai combien d'argent? Putain, j'ai beaucoup. Je peux améliorer le car quoi. Qu'il vous faut, cette fois je peux améliorer l'arc serf. Non, ah non, putain, l'acier trempé de Fertile Fan. Chut. Casse les couilles. On peut pas en acheter d'ailleurs? Si je peux en acheter, c'est goldé. Très bien, alors quoi? Acheter ressources. Ouais. Une unité massive de Zwart. 10 000 d'argent? Non, c'est l'acier trempé de Sword Art Flame qu'il me fallait, putain, mais quel connard. On peut pas acheter l'acier doux de Sword Art Flame. Par contre, je peux acheter une flamme de glace. Hein. Au calme. On dirait que ça a marché. Ouais, tu m'as juste niqué 10 000 pièces d'or, mais c'est pas grave. De toute façon, on a déjà compris que cette DOD, c'était de la merde. Déjà. Et oui, Kratos, c'est le seul avec ses tétons apparents là qui est capable de supporter un froid pareil. Hein. Incroyable. Oh non. Tue. Vas-y, vas-y, gamin, vas-y. Ah non, mais attends. Oh, j'y vais au lame, j'y vais au lame. Lame, 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 lame. Mais putain de... Mais, oh, je... Mais tu vas... Là, mais je joue mal! Mais je me fais une. Ah ouais, vous êtes level. Ah ouais, quand même! Ah oui, ah oui! Ah oui! Ah oui, ah oui, vous avez décidé que. D'accord, ok, ok. Ah oui, j'aurais pu lui acheter une pierre de résurrection aussi, à Brocu. Ah ouais, ils ont tous décidé de level up comme des chiens, quoi, en fait. Super. En fait, on va juste faire la quête principale. Finir le jeu et adieu. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Mais ce qui serait pas mal, ce serait d'acheter une pierre de raise à Brock quand même. Ah, je voulais pas que tu fasses ça, pardon. Hein? Il est où? Il est là. Bon, qu'est-ce qui s'est caché? Du coup, tu m'as quand même niqué. Je pense que tu m'as quand même niqué. Ressources, non, je veux pas vendre. Je veux acheter. Pierre de raise. On va en prendre une bleue pour changer un peu. Ah, parfait. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Rien du tout. Allieu. Allieu! Ouais, 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 viens, viens, viens. Ta gueule. Aide-moi. Ah, mais tape-le par contre. Non, mais pardon. Ah merde, j'ai déjà fait les deux quoi. Non, voilà. Yuré, yuré, yuré. Non. Mais putain, ils m'ont gavé les snipes là. Pas fort. Simier poli, bravo. Mais oui. Musique. Pas du tout flippante. Vas-y doucement que tu puisses récupérer tes... Et merde. Mais... Oh
Ah oui. Ah oui, il y a ceux-là aussi, c'est vrai. En... Bon, eux, ça va. Ils sont pas trop résistants. Ok, ok. En 15 secondes. Pas de panique, hein. C'est juste que le vent de Hell, je l'ai laissé où? Je suis avec toi. Encore? Putain, allez, venez. Au revoir les loups. Mais tu fais quoi là, bordel? Merde. Bon, on est bien, on est bien. Désolé de vous avoir dérangé dans votre pèlerinage, les gars. Moi, il me faut le vent. Le vent que je vais pouvoir mettre... Merde. Bah, j'en sais rien, en fait. Parce qu'à partir de là... Ah non, merde, c'est chaud, en fait, là. Je le mets où? Attends, faut que je retourne voir en bas ce que c'était le délire. Demi-mire qui ballotte. Non, il me faut un vent de hell, bordel, comment je l'amène jusqu'ici? En... casse les couilles, en... Oh, il n'y avait pas des vases à briser là, j'ai besoin de vie, j'ai besoin de life. Ah non, il repop pas les vases ici, putain, c'est scandaleux. Oh là là, mais tout ça c'est tellement du contenu qu'il faudrait que je fasse genre hors VOD. Hein. Vraiment. Donc là, j'ai... Bah lol, pourquoi je peux monter là? Ah! Oh! Ah bah non. Eh! Coquinou! Je l'ai vu, hein! Eh bien! Allez, allez, allez! Speedrun, speedrun! Voilà. Et de là, est-ce que j'ai suffisamment de temps pour aller jusqu'en bas? En vrai, je pense pas. Hein. Mais non, c'est mort. Ok, il faut que je trouve un autre, une autre stèle. Je trouve un autre, une autre boule magique. Donc pas là. Là. Ouais, ça va être chaud, non? Peut-être pas, on va voir. Hein. En vrai, il faut tirer parti de chaque dixième de seconde possible. Ce qui veut dire que là, déjà, j'ai foiré, je pense. Mais oui! Allez, c'est passionnant. Hein. Oh, le pauvre gosse, il est en train de crever. Oh non, il meurt. Genre là, de là, je l'ai pas. De là. De là, tu l'as. Go, 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 go. Speedrun! Là, j'ai des culs. Mais comment... Waouh, mais c'est trop chaud! J'ai pas un truc qui augmente ma rapidité? Fais voir à partir de quel moment tu décides que tu peux y arriver. Non. C'est vraiment un poil de cul. Hein. Mais comment ça, non? Et là, il me dit oui, et en fait, non. Oh putain, ça va me saouler vos conneries, là. Et ça, c'est bien, ça. C'est assez drôle.
Ça m'a cassé les couilles, cet épisode c'est de la merde. En vrai, il va pas être uploadé cet épisode, hein. Là il sert à rien. On en est quand même à un stade où c'est. Ou alors je vais l'uploader juste pour montrer qu'on s'est fait casser le cul par la Valkyrie et puis voilà quoi. Non, mais doit y en avoir un entre les deux, c'est pas possible. J'en avais un deuxième devant de Hell. Je l'ai mis où? Pas là, en tout cas. Mon gamin, viens. Ça, Osef. Là, je l'ai... Et ouais, parce que j'en avais deux devant de Hell. Et l'autre, je sais pas où je l'ai envoyé. Misuteru. Et là, je sais pas où on va. Je sais plus où c'est. Il y avait une petite zone à faire avec le gosse ici. Mais je sais plus où c'est. Oh, chargement de normal. C'est quoi ça? C'est de la vie? Oh! Voilà. Non. C'était là? Fuck is that shit? Oula, c'est quoi ça? En vrai, on est en train de prendre... Je crois qu'on est en train de prendre tout le chemin que tu prends la première fois que tu viens à Line parce que t'as pas le choix. On vient de se le retaper là, pour rien. Rien ne va. Est-ce que je peux faire un truc, vous, avec vos... Non. Le corbac. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié un corbac par ici. Ça veut dire qu'on est... c'est par là. Hein. J'arrive. Les collectibles. Les jeux à Patoon. Assassin's Creed. Voilà. Je peux descendre. Épisode incroyable, épisode passionnant. Oh! Putain, mais c'était où? Oula. Hein? Attends, je vais serrer. On s'est tellement tapé tout le tour pour rien, je suis sûr. Tiens, voilà, c'était là. Allez, viens. Allez. Voilà, je vais garder ça quand même. D'ailleurs, des pommes d'idoune et tout, ça vous dirait pas parce que c'est pas que c'est la merde. Niveau vie, tout ça, mais un peu quand même. Charme des tempêtes infinies. Objet épique, talisman. Invoque une... Tu vois. Invoque une tempête de glace qui empêche l'ennemi d'interrompre les attaques de Kratos. Tempête de glace qui empêche l'ennemi. Ah ouais, c'est vrai qu'on a le L1 plus rond aussi, putain, quel con. Invoque une tempête de glace qui empêche l'ennemi d'interrompre les attaques de Kratos, réduit les dégâts qu'il subit et inflige des dégâts normaux. Et des dégâts de givre à tous les ennemis à proximité. Ça, ça fait quoi? Une petite zone défensive qui empêche l'ennemi d'interrompre les attaques de Kratos. Alors, rune 0, défense 8, récupération. C'est craqué, donne-moi ça. Attends. Éclat élémentaire, vitalité 5. Mais voilà. Mais ça, je peux pas lui mettre de... Putain, fais chier. Et pourtant, je l'ai pas monté de level.
Faudrait que j'aille la monter de level et comme ça je pourrais lui mettre un emplacement de talisman. Tout va bien. Everything is okay. Superbe accent. Bon, est-ce qu'on se fait chier à s'occuper du vent de L pour de vrai ou pas? Au final, le mec s'est échauffé pour les Valkyries, il est mort 10 fois, ça l'a saoulé. Le mec s'est chauffé pour Helheim, il y arrive pas avec les vents de L, ça l'a saoulé. En vrai, je crois que j'ai juste envie d'avancer dans l'histoire là. J'ai juste envie de faire quelque chose de ma vie. Attends, non, 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 non. On n'est pas obligé de repasser par. Si? Mais non, on n'est pas obligé de repasser par là. Calomnie. Calomnie. Ah non, hein, pas Calomnie, on s'est. Pourquoi il y a une chaîne là-haut? Oh putain, de Metroidvania, de mes couilles. Ça m'a un peu saoulé. Et parce qu'en plus, c'est par là qu'on avançait normalement. Me dis pas qu'il faut que je me re... Non, 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 pas tout le tour, non, pas tout le tour, s'il vous plaît, pas ça. Pas ça. J'ai un peu le vertige, gamin. Et là déjà, pourquoi tu peux aller là déjà? Pourquoi faire? On sait pas, mais tu peux. Tu peux descendre des deux côtés du pilier. Pourquoi? Mais tu peux. Lui on l'avait pris, oui. Allez viens. Oh putain. Chargement. Hop bloc. Hop bloc. Hop bloc. Hop bloc. La tête de Mimir qui balotte. Il vit sa meilleure vie lui hein. Constamment. Constamment en train de se faire. Putain, c'est quoi cette danse brésilienne là où les meufs elles te. Elles te mettent des coups de boule littéralement. Hein. À l'infini. C'est un petit peu ce qui arrive à Mimir. À longueur de temps avec Kratos, c'est magnifique. Meilleur jeu. Ah d'accord. Ah mais oui, il triche, il passe au travers des textures et tout, très bien. Oh, c'est brillant. Non. Alors si on pouvait éviter de trigger un deuxième groupe d'ennemis. J'aurais presque aimé que ce soit plus dur. Oh non, pas. Oui. Les devs qui te disent non mais joue en God of War, putain. Joue en God of War, tu verras, tu vas t'amuser, ça va être bien. Ah je l'ai laissé là le deuxième vent de Hell. Oh il y avait encore des trucs à faire là-haut, putain, trop bien. Incroyable. Là il y a un coffre, on y va comment? Ah. Et ouais mais si je te retire de là, ça veut dire que j'ai ramené l'autre vent jusque là-bas pour rien? No fucking way. J'ai ramené l'autre vent à l'autre bout de la map pour rien. Oh je sens que je vais pas aimer ça. Oh putain, ça me saoulait. Ok, c'est pas grave. Viens, gamin. Viens avec papa. Y'a quoi là?
J'aime pas ça. J'aime pas ce. On l'ajoute à la collection. C'est quoi? Allez jouer. Ah, c'est la dernière chambre cachée. Oh. T'as envie d'y aller? Parce que moi non. Hein. Allez, viens, on y va. On va mourir un coup juste pour rigoler. Bijou de famille 4 sur 5, il nous en manque un. On y va juste pour rigoler. Chambre cachée, d'Oden. Au pire, comme ça, on peut récupérer juste le loot et après se barrer comme des lâches. Et ça, franchement, c'est le genre de plan qui me plaît bien, quoi. Est-ce qu'on peut stepper entre les royaumes après aussi, où c'est mort? Parce que genre de là, là si j'appuie, est-ce que je peux aller... Ah non, je peux aller qu'à l'atelier de Brox. En 15 secondes. Donc voilà, se retaper tout le chemin une fois qu'on aura rage quit ce combat de Valkyrie aussi. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut piller. Tu vois? Signe gravé de ferveur. Genre la gloire des combats connaît pas. Par contre, la gloire de piller des tombeaux, quand tu veux. C'est sombre, hein, par contre. Ah, faut sauter, ok. Une autre Valkyrie. Ah, super. Hein. Bah, mourir. Fais-le prudemment. Bon, est-ce qu'elles invoquent toutes des 40 000 spectres? Rote pas. On va voir. Où est-ce qu'elles ont toutes des... Elles ont toutes des... Non, alors ça c'est pareil. Ah ouais! Bah elle au moins elle invoque des gains. Valhalla! Mais putain, mais le lock est nul à chier, il sert à rien. Oh, elle m'a déboîté. Mais j'ai le level pour les Valkyries ou pas? Wouah. Entre nous, est-ce que j'ai le level pour les Valkyries? 217 morts. Ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Parce qu'elle a l'air un peu tendue, hein. A chaque fois, il y a un corbeau qui se cache dans leur putain de truc, en plus. Bon, allez, viens. Qu'est-ce qui se passe? Tiens-toi. Pardon, je suis pas prêt. Alors, elle. Voilà. Non. Et merde. Ok, il faut timer les esquives. Merde, elle a pas pris. Vie. Mais c'est de la merde. Merde. Oh. Elle m'a dit. Oh, la gorge. Mais non. Bon, c'est bien. Elles ont toutes des patterns différents. Donc certaines invoquent une armée de lâches pour se battre avec elles. D'autres te spamment trois attaques que tu ne peux pas bloquer d'affilée. Et donc il faut timer parfaitement l'esquive. En fait, faut être un vrai gamer, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça que le jeu nous dit.
Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt, mon garçon. Alors. Mais merde. Larve. Ah ouais, c'est ça. Elle te taunt, quoi. Connasse. Mais il met 40 ans à envoyer. Ah, et ça, on peut les bloquer. Ok. Non. Non. Ah merde, putain, j'ai pas vu que c'était un éclair rouge. Mais non, j'ai esquivé. Au secours. Elle est où? Mais putain, sortez l'âme. Mais tu peux rester loqué sinon? Ouais, elle est tellement plus prenable que l'autre. En vrai, si tu fais gaffe à ce que tu fais. Et voilà, et... Mais merde, quel abruti, putain! J'ai tellement pris l'habitude que... Oh. Bon, ok. On va essayer de faire un joli combat. Elle est prenable. Ok, donc on va commencer avec la hache. Ok, en 15 secondes. Ok, attends, j'ai paniqué. Allez où? Elle est où? Mais non, putain, mais esquive là, connard! Non, tu crois, gamin? Non, mais quel con, mais putain, la peur de gagner, j'hallucine, mauvais. Oh là là, les sacs à pev que c'est, ces connasses. Mais non, mais comment elle m'a chopé? J'ai esquivé! Je suis l'arbitre! Non. Je peux avoir la vie? Yes. Et merde. Oh! Non! Casse-couille, hein?
Bon, on sait que celle-là, elle est déjà plus prenable. Ça fait 1h05 qu'on y est, hein. On se casse. Adieu. Atreus, ici. Ok, on sait aussi qu'elles ont chacune des patterns différents. Celle-là est vachement plus prenable que l'autre. En tout cas, en ce qui me concerne, je la trouve bien plus. Je pense qu'elle est plus simple à se faire, quoi. Mais en vrai, là, je me pose legit la question si j'ai envie de dédier un épisode de combat de Valkyrie à une autre Valkyrie qu'à la Valkyrie Ultime. Parce que je sais qu'il y a une Valkyrie Ultime. Est-ce que celle-là, je les ferai pas hors stream en fait? Celle-là, en vrai, celle-là, je veux bien la faire en stream et en VOD parce que je sais que je peux me la faire. Ça peut se passer, quoi. Ça peut s'effectuer. Par contre, là où ça me chagrine. Ah non, on peut pas y aller, la merde. Attends, comment on y va? Peut-être qu'avec le vent de Hell. Viens. Viens, gamin. Je l'ai foutu où le vent? Non, faut juste aller là-haut. Non? Hop là. Là, y a rien, enfin, je crois. Là, par contre, tu tires. Voilà. Voilà le loot. Et j'entends encore un corbeau de merde. 4000 d'argent, c'est pas rien, je prends. Et ça, c'est quoi? Signé gravé de fer. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais on l'a. J'entends encore ce putain de corbeau. Il est juste là. Tu m'étonnes que je pouvais pas l'avoir la dernière fois. Enfin. Mais là, du coup, on va où? Ok, on va là. C'est bien. C'est bien. Ça doit servir à quelque chose. Hein. Ah, mais d'accord, c'est pour là, putain. Bah voilà. Oh, on s'est vraiment tapé tout le tour pour rien. Hein. On va juste, du coup. Là, on est d'accord qu'il n'y avait rien. Un dernier truc avant d'arrêter de jouer. Hein. Enfin, d'arrêter l'épisode, en tout cas. Oui. Attends, comment je vais en face? Ah oui, il faut que je retire le. Le bang. Oh. Un des trucs avant d'arrêter. Ah bah. Ah bah elle est bien. Bah elle est jolie. Elle est belle la France. Elle est belle hein. Paf. En vrai ça sert absolument à rien. Je le sais très bien. Tu m'ouvres la porte. Il y avait rien à faire avec Atreus ici. Crois pas hein. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, au cas où. Hein. Au cas où. Mais genre, pourquoi je voudrais faire ça, par exemple? Non, ça c'était. Ah mais non, ça c'est le tuto qui m'a appris tout à l'heure avec le. Enfin, tout à l'heure. Et si. Ça pue? C'est le mort, hein? Elle est très bon. Peut-être qu'une fois qu'on a. Tuer slash libérer toutes les Valkyries quand on leur a prouvé notre valeur au combat. Ensuite, elle nous donne accès à ce pont et on peut combattre ce corbeau qui est le corbeau de Dark Souls. Ouah, regarde, même en bas sur le pont, t'en vois, ils sont 140 millions à traverser, putain. Ça me fait des morts, hein. En tout cas, c'est tout pour cette VOD Twitch. YouTube, pardon. Des gros bisous, j'espère que vous avez apprécié. Il s'est rien passé et c'est les meilleurs épisodes. En tout cas, des bisous, pouce bleu, abonnez-vous, Twitch dans l'inscription comme d'habitude. À plus.